Yacine et Taoufik sont des traceurs. Ils sautent, ils courent, ils escaladent, tout ce qui se présente devant eux, soutenu uniquement par leurs muscles et leur agilité. Tel est le principe du parcours, une discipline sportive qui habituellement se pratique en extérieur. D'habitude, je fais toujours ça dehors, dans des milieux urbains, mais vu qu'on a des petits, vaut mieux leur montrer les non-dangers du métier. Dans notre ASBL, on peut considérer sport comme la fusion de trois sports, comme l'association de trois sports, l'escalade, la gym et l'athlétisme. Et c'est un sport qui développe un peu les compétences de ces trois sports, qui permet un développement le plus complet, le plus optimal possible pour nos jeunes. Exécuter des sauts en tout genre n'impressionne pas ces enfants. C'est assez impressionnant, c'est pas trop dangereux? Pas un peu, mais pour moi ça n'a l'air pas. Vos enfants ont trouvé leur vocation sportive? Bah oui, à mon avis, ma fille, l'année prochaine, elle va d'abord faire de la gymnastique, parce qu'il faut d'abord faire de la gymnastique, je pense, et puis on verra. Ce monsieur aussi semble avoir trouvé sa vocation. C'est mon parcours le préféré. Démonstration de roller à présent, un sport moins confidentiel que le parcours, mais une discipline sportive tout aussi variée, qui peut elle aussi être acrobatique et donc impressionnante. On cherche un petit peu à initier ou en tout cas à regrouper tous les gens qui souhaitent faire des balades à l'extérieur ou en intérieur. Pour l'ADEPS, ces initiations permettent au public de découvrir des disciplines moins médiatisées. L'idée c'est vraiment de travailler en collaboration avec différents clubs de sport pour promouvoir leur sport et faire connaître leur club exactement, vu que c'est des gens de la région. Un étage plus bas, un cours de capoeira. Cet art martial afro-brésilien mixe des techniques de lutte avec des danses tribales. Comme les autres sports, il est enseigné dans plusieurs communes bruxelloises.